Bon, nous voilà à pied d'œuvre dans le stand pour l'essai de ce HK-45. Alors, ces derniers temps, il était très difficile de se procurer des munitions, il y a eu une pénurie, mais en fait, j'ai quand même réussi à en avoir, et comme j'en avais déjà d'avance quelques-unes, j'ai vraiment beaucoup de choses, aussi bien en manufacturé qu'en rechargé. Alors, c'est impressionnant, mais bon, il y a pas mal de doubles, il y a des boîtes qui ne sont pas complètes, il n'y en a pas autant que ça, mais bon, je pense que comme d'habitude, j'aurai entre 10 et 15 munitions différentes pour faire ce banc d'essai. On va commencer par On va voir déjà si l'armée est bien réglée. Des GECO, c'est de 230 grains Full Metal Jacket. Alors c'est très facile de remplir le chargeur, ça pose aucun problème, mais puisque j'ai le Hot Glue là, je vais l'utiliser, c'est encore mieux. C'est encore plus facile. Donc 10 coups dans le chargeur. Bon, cette boîte-là, elle est finie. Heureusement, j'en ai une autre qui n'est pas encore enflammée. Cinq. 6, 7, 8, 9 et 10. Effectivement, je ne peux pas en mettre une 11e. Ça forcerait vraiment. Donc chargeur de 10 coups, moi ça me convient très bien pour faire les essais puisque c'est des séries de 10 coups. Je mets le chrono en marche. Est prêt, je vais prendre la visée au bas du visuel. On va voir si c'est bien. Si l'arme tire un tout petit peu plus haut, ça serait vraiment parfait pour moi. Un départ tout à fait correct. Voilà, la dixième. Bien que ça fasse des gros trous, je ne les vois pas d'ici. J'en vois un qui est un petit peu sur la gauche. Les autres, je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'il y en a un qui est un petit peu en dessous aussi. Bon. On va voir ce que ça donne. On va aller voir ça de près. Ça sera la surprise. Ouais, bah, je suis plutôt point visé, point touché, je suis un peu bas. Donc il faudra que je tire un peu plus haut. Bon, c'est le premier groupement, hein, on va voir. Il y aura d'autres munitions meilleures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 sont là.
Je suis un peu en bas et un peu à gauche. Il va falloir que je rectifie un peu la prise de visée. Mais c'est pas extraordinaire. J'ai à peu près 100 mm en hauteur, un petit peu plus en largeur. Et puis surtout, je suis un peu décalé. C'est toujours. J'aime pas trop modifier le réglage. D'abord, c'est pas toujours possible de le faire sur le terrain. Ensuite, cette arme n'est pas à moi, on me l'a confiée. La hausse, je vois qu'elle est bien centrée. Il va falloir plutôt que je corrige la prise de visée. Mais je vais faire un deuxième groupement avec des munitions, une autre marque de munitions pour confirmer. Parce que déjà, avant de changer quoi que ce soit, il faut vérifier vraiment si c'est bien ce résultat avec toutes les munitions. Parce que d'une munition à une autre, il peut y avoir des différences parfois importantes. Donc là, je vais prendre des celliers Bello. Bon, je remets le chrono en marche. Voilà. Et je vais reprendre la visée de la même façon pour voir ce que ça donne avec le CD Bello. Voilà, on voit les résultats. Moi, bon, c'est un petit peu meilleur. Ah ben, j'en ai pas qui sortent de la cible cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si, j'en ai une un peu haute. Un petit flyer. Mais bon, le point visé est ici. Je suis là. Bon, c'est pas catastrophique là. Flyer, donc. J'ai plus de 100 mm, je dois même avoir j'ai 145 mm, c'est beaucoup à cause de ce flyer. Bon, de toute façon, j'ai encore d'autres munitions à essayer, je vais continuer les essais. Il faut aussi que je corrige un peu ma prise de visée parce que là, je suis trop bas. Et on va voir ce que ça donne avec d'autres munitions. Alors, j'arrive au terme des tests de précision réalisés avec ce pistolet HK en calibre 45 ACP. Finalement, les premiers essais que j'ai faits étaient les plus mauvais. Ce n'étaient pas les meilleures munitions. Et puis vraiment, j'étais vraiment bas dans la cible.
Donc après, j'ai fait tous les tests en prenant la visée plein centre, ce qui n'est pas l'idéal. Et d'ailleurs, tous mes groupements sont un petit peu décalés vers la gauche, mais je n'ai pas fait de contre-visée au niveau de la dérive, de l'azimut. Mais par contre, j'ai été obligé de prendre une contre-visée au niveau du site, et donc de viser plein centre, ce qui n'est pas très évident. Mais heureusement, il y a quand même de très bons éléments de visée. Les points blancs d'aide à la visée sont très visibles. J'ai pas eu de problème de pluie, j'ai eu par contre des problèmes de changement de luminosité sans cesse, soleil, ombre, ce qui n'est pas l'idéal. Mais bon, à 25 mètres, c'est pas. Les effets de ce genre de choses sont quand même relativement limités. Alors, j'ai dans l'ensemble de bons groupements. On voit qu'avec les munitions hollow point, par exemple, les bonnes munitions, on a des groupements très serrés, bon, qui sont à gauche de la cible, mais ça, faut pas en tenir compte. L'arme devrait être réglée. Bon, tout ça, c'est pas mal. Et puis, avec les munitions rechargées, alors, j'ai utilisé beaucoup de munitions semi-wet cutter blindées ou cuivrées. J'aime bien les semi-wet cutter. Ça fait des trous bien ronds. Et puis, souvent, c'est très, très précis en calibre 45. Mais il y a beaucoup de pistolets qui les chambrent mal. Et elles créent parfois des défauts d'introduction, des problèmes, des enrayages. Pas du tout avec celui-là, il n'y a vraiment pas eu. J'ai vraiment essayé toutes sortes de munitions. Des balles avec peinture époxy, des balles en plomb graissées, des balles semi-wet cutter, blindées, cuivrées. Jamais le moindre problème d'introduction, jamais le moindre incident de tir. Donc précision correcte, on verra. Comme d'habitude, tous les résultats seront donnés. Vous verrez les photos des cibles, vous verrez les tableaux avec les mesures précises pour voir vraiment quelle est la précision de cette arme. Mais je pense qu'elle est tout à fait correcte pour une arme. Ce n'est pas une arme de match, c'est une arme de combat. Et je pense que c'est une arme de combat tout à fait précise. J'aime bien les éléments de visée. Ils sont très polyvalents. En plus, ils sont quand même assez ouverts, mais très très nets. Le départ est excellent. C'est un très bon modèle. On va maintenant passer au test du Glock pour pouvoir comparer 9 paras 45 ACP, deux armes avec des canons polygonaux. Ami tireur, merci pour votre attention. Ah oui, avant de nous quitter, je voulais dire que j'ai eu des nouvelles de Jean. Il pensait peut-être pouvoir me rejoindre et puis non, il était trop fatigué, alors il a eu beaucoup de problèmes, vous le savez, problèmes cardiaques, il a été opéré, depuis ça allait mieux, mais on lui a conseillé, son médecin lui a conseillé de se faire vacciner contre le Covid, parce qu'il lui a dit, s'il attrape le Covid, lui il fait vraiment partie des personnes à risque, il ne faut vraiment pas qu'il se trouve en réanimation, sinon il s'en sortirait pas. Donc il a été vacciné, il a eu les deux injections, les deux doses du vaccin Pfizer, et puis bah depuis, il dit que ça va pas très bien, il est complètement fatigué, il n'arrive plus à dormir, il dort 2 heures par nuit, et donc il est crevé. Ça vient peut-être pas du vaccin, c'est peut-être une coïncidence, enfin bon. Moi, je me suis pas fait vacciner, je compte sur mon immunité personnelle, et pour l'instant, j'attends de voir. Amis tireurs, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité sur notre site, merci pour votre attention et bon tir. Alors voilà en fait l'ensemble des tests que j'ai fait avec ce HK. Cette cible avait servi pour du 22 long rifle, mais elle n'avait pas servi pour autre chose. On voit quand même que toutes les munitions finalement se portent à peu près au même endroit. Par contre, cet endroit il est décalé vers la gauche. Là, je suis vraiment sur la gauche de la cible. Il y a quelques-uns qui sont vraiment sortis, mais très très peu en fait. C'était vraiment sur le. Je ne sais plus quel était. Le groupement se trouvait là en fait.